Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait à peu près une semaine qu'on vous a diffusé des informations concernant le site DestinyDB, donc Destiny Database. Et c'est vrai que du coup, ça a été l'engouement littéral sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se sont intéressés de près à ce site internet, ont fait apparemment plein de vidéos, se sont découverts visiblement une véritable vocation pour ce site internet. Donc on a trouvé des infos, des choses ont été révélées, sont-elles vraies, seront-elles concrètes, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que je vais pouvoir aujourd'hui vous parler d'un nouveau passereau et d'un nouveau vaisseau exotique, mais avec des grosses pincettes, avec un énorme point d'interrogation, puisqu'évidemment, ces infos sont présentes sur ce site internet, dans cette base de données depuis longtemps. On l'a découvert il y a une semaine, on est en train de fouiller petit à petit tout ce qui est en train de s'y trouver. On a notamment découvert des infos sur les prochains matériaux qui pourraient voir le jour sur le site Destiny. On a également retrouvé toutes les reviews des équipements de l'arène. Bref, on a eu énormément d'informations. On a aussi eu une très grosse nouvelle à titre personnel dont nous avons absolument interdiction de vous parler malheureusement. Donc ça explique pourquoi on n'a pas pu tout vous sortir d'un coup alors que ça fait environ une semaine qu'on a appris l'existence de tout ça et qu'on aimerait vous donner toutes ces infos, mais voilà, on n'a vraiment pas eu le temps. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai dit, du passereau exotique, des vaisseaux exotiques. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir dans la journée. J'espère que vous allez être patients et compréhensifs. On a une petite vie à côté et c'est pas forcément facile de tout vous sortir d'un coup. Donc concernant le passereau, on va commencer avec ça, il s'appelle le Dawn Chaser. On n'a malheureusement aucune information supplémentaire. C'est un passereau dit normal, on ne sait pas s'il sort à l'occasion d'un événement spécial. D'habitude, sous la description des différents objets, il y a un petit mot, un rappel par exemple pour Osiris ou pour Lyre de la Reine. Là, il n'y a absolument rien à part une banale description. Concernant ses capacités, on retrouve les capacités classiques d'un passereau, une accélération de vitesse, une explosion si jamais vous allez trop vite comme des barbares, comme des fous, et on a même la possibilité de jouer, de faire mumuse en faisant des gauches-droites pour faire des petits mouvements latéraux avec le passereau. Bref, absolument rien de nouveau. Pourtant, je me demande où va nous mener ce passereau dans la mesure où il est exotique. Il y aura forcément une amélioration, un moyen de le gagner, quelque chose en particulier. En tout cas, j'espère vraiment que si ce passereau voit le jour, là encore c'est une question, on n'a pas d'information à ce sujet, s'il voit le jour, j'aimerais vraiment sincèrement qu'il ait quelque chose de particulier en dehors du fait qu'il soit simplement exotique. On n'a pas de visuel 3D, par contre, on en a un pour celui-ci. Donc ce vaisseau qui se nomme Manus Celer Dei, excusez-moi pour mon latin, la dernière fois que j'en ai fait, je devais être en 5e, donc c'est très très vieux. Pas d'informations également pour ce passereau, on a juste une petite vue en 3D. La question que je me pose, serait-il disponible à la sortie d'Osiris? Je n'en sais rien, dans la mesure où il y a des petites touches de jaune dessus. C'est la seule chose qui m'est éventuellement venue à l'esprit, mais vraiment là, c'est uniquement moi qui me pose des questions et qui vous expose mon raisonnement. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est des infos qui sont présentes depuis longtemps dans la base de données, que je n'ai pas vu circuler sur internet avant il y a une semaine, que j'ai donc découvert vraiment à l'occasion de la découverte des autres items dont nous avons déjà réalisé des vidéos. Donc voilà, malheureusement pas plus d'infos à ce sujet non plus. Le simple fait qu'il soit exotique là sera, je pense, purement qualitatif, dans la mesure où aucune spécificité de base n'est attribuée au vaisseau, simplement des critères esthétiques. Donc voilà, vraiment rien de particulier à dire à ce sujet. J'ai vraiment hâte d'avoir plus d'informations concernant ces deux items. Si jamais je les ai, bien évidemment, comptez sur moi, on vous sort les infos, on vous dira ce qu'il en est, une date, un événement spécial, un item particulier avec des capacités spéciales. Bref, dès qu'on a quelque chose, on vous sort l'info, comptez sur nous. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une superbe journée. À très bientôt !